On ne peut pas nier que, encore aujourd'hui, la gastronomie soit un des attributs les plus universellement reconnus à la France. Ce n'est pas une question d'arrogance française, hein. C'est lié à des raisons historiques assez précises que je vais essayer de résumer en quelques minutes. Mais d'abord, il faut se mettre d'accord sur le terme de gastronomie. Ce n'est pas synonyme de haute cuisine, de grande cuisine. Gastronomie, c'est très simplement, et depuis le début, depuis 2 siècles, où le mot est apparu vers 1800, c'est la culture du manger et la culture du boire. Notons, entre parenthèses, que la France est depuis longtemps très préoccupée de l'association entre, en particulier, les vins et les mets. Et c'est une sorte de tradition française que de jouer sur cette association-là. Donc, à partir du moment où la gastronomie, c'est une affaire de culture, c'est une affaire à prendre au sérieux. Et je dirais que ce qui est essentiel dans le modèle français de gastronomie, c'est la prise au sérieux, très ancienne, de ces questions. Ça remonte aux années 1800. Pourquoi? Tout simplement parce que ce pays, la France, a inventé le restaurant. Ça peut paraître une affirmation un peu étonnante. Pourquoi est-ce qu'on aurait inventé le restaurant? Est-ce que le restaurant n'existe pas depuis toujours? Bien non. Le restaurant apparaît à la fin du XVIIIe siècle, à Paris, et pas à Londres, et pas à Saint-Pétersbourg, et pas à New York, etc. Parce que c'est le signe de la crise de l'Ancien Régime, de la dislocation des confréries, des corporations, des métiers, en particulier ceux des traiteurs, et la prise du pouvoir par, au fond, la bourgeoisie. Parce que le restaurant, c'est une révolution. Le restaurant, c'est à partir de cette époque-là, la possibilité d'avoir une cuisine de grande maison, un décor de grande maison, une cave de grande maison, un service de grande maison, non pas en échange, comme jusque-là, d'invitations entre gens de même niveau, en particulier au sein de la noblesse, en échange d'argent. C'est-à-dire que je viens de définir le monde moderne. Et ça, la bourgeoisie l'a très bien compris, et c'est à Paris qu'elle a inventé le restaurant, qui est une vraie révolution, il faut insister là-dessus. Mais à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des critères pour cette bourgeoisie en particulier, pour choisir les bons et des restaurants par rapport aux moins bons, etc. Donc, il y a une démarche de critique tout à fait contemporaine de l'invention de la critique d'art. La critique d'art, au sens moderne, est inventée aux alentours de Diderot dans les années 1770. Eh bien, le restaurant apparaît à ce moment-là, et une génération après, un petit retard par rapport à la critique d'art, il y a la nécessité de créer une critique gastronomique. Et c'est un certain Grimod de la Reynière qui va d'ailleurs inventer, coup sur coup, d'ailleurs, le guide quasiment annuel. Il y a 8 éditions de ce qui sera le guide, l'almanach des gourmands de Grimod de la Reynière, les premiers traités théoriques, suivis par Brillat Savarin. Mais au même moment, ces gens qui sont des fondateurs, et qui sont encore aujourd'hui des références, on réédite sans arrêt Brillat Savarin, La physiologie du goût, qui est une sorte de traité vraiment très théorique. Roland Barthes a préfacé une réédition de Brillat Savarin. On a exhumé Grimod de la Reynière récemment. Maintenant, les critiques gastronomiques des 2 siècles en question sont redécouverts avec beaucoup d'intérêt, et ils sont souvent d'ailleurs très intéressants. Mais surtout, ces gens-là, ils n'ont de sens que parce qu'au même moment, vous avez des chefs qui émergent dans leur individualité. Et il faut insister sur le fait que tout ça, c'est contemporain, et c'est un peu d'une certaine façon le produit de l'apparition, du coup, du chef artiste. Et ça, c'est la particularité française. On ne va pas se tortiller, la question n'est pas de démontrer que la cuisine française serait supérieure. La cuisine française est antérieure à toutes les autres dans la manière d'exalter la créativité. La cuisine française, ce n'est pas une cuisine qui serait ceci ou cela, elle est signée. Et c'est la signature de l'artiste qui est mise en avant. Le premier artiste cuisinier ou cuisinier artiste s'appelle Carême, un drôle de nom pour un cuisinier artiste. Il invente d'ailleurs la toque, hein, la toque qu'on voit maintenant partout au monde, au Japon comme ailleurs. C'est une invention de Carême. C'est un homme qui a une stratégie de mise en valeur de l'acte artistique du cuisinier. D'ailleurs, Grimaud, Brillat Savarin comme Carême n'arrêtent pas de dire bah, nous sommes peut-être l'équivalent de Léonard de Vinci ou de Beethoven. La comparaison avec les artistes est absolument immédiate. Et nous en sommes là aujourd'hui. Ce qui permet de revenir sur l'idée qu'il y aurait une sorte de déclin du modèle français. Vers 1900, le modèle français est impérial. La cuisine américaine, par exemple, est entièrement déterminée par un grand chef qui s'appelait Escoffier. Quand Escoffier va revenir à New York pour la troisième fois vers 1930, il y a des milliers de cuisiniers new-yorkais qui l'attendent dans le port. À ce moment-là, on peut dire que, en effet, l'impérialisme français est à son comble. Aujourd'hui, la situation est beaucoup plus diversifiée, mais tout simplement parce que nous avons refilé le virus aux autres. L'Espagne, l'Italie, les États-Unis, bien entendu, l'Australie, etc., sur le plan du vin aussi, ont pris leur autonomie. Mais moyennant une modélisation qui est entièrement française. Regardez d'ailleurs le vocabulaire des cuisines, le vocabulaire de la vitiviniculture, il est très largement un vocabulaire français. Donc il ne s'agit pas de dire cocorico, il s'agit de constater que cette modélisation a réussi dans un sens qui est celui de l'hédonisme.
Et je voudrais signaler que la question de l'hédonisme, ce n'est pas une question secondaire. D'abord, elle permet de comparer les cultures entre elles. Il y a des cultures qui sont beaucoup plus puritaines. Les cultures protestantes, par exemple, ont une tendance puritaine assez marquée. Les gastronomes américains savent la difficulté qu'ils ont encore aujourd'hui à démontrer l'importance de ces questions-là. Alors que les cultures, disons, plus catholiques sont plus hédonistes, c'est clair. Et je rappellerai, parce que tout ça c'est absolument sérieux, que le 13 novembre dernier, dans les communiqués de Daesh, il était très clair que ce qui était atteint, c'était une certaine conception de la culture, y compris gastronomique. Ce pays était considéré comme un lieu de perversion, c'est les termes qui ont été utilisés par les islamistes, parce qu'il était en particulier un pays qui était sensible au bon vin et à la nourriture. Donc, je pense que ceux qui ne seraient pas convaincus que ces débats sur la gastronomie ne sont pas des débats importants devraient réfléchir à cette dimension.